parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Tout est accompli. Lisons Jean 19, les versets 1 à 30. Quel est le message crucial pour nous dans la déclaration de Jésus « Tout est accompli » au verset 30 de la version Colombe. Jean 19, les versets 1 à 30. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis s'approchant de lui, ils disaient « Salut, roi des Juifs » et ils lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Verset 6. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu ? » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Verset 11, Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate chercha à le relâcher, mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors. Et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé, et en hébreu, Gabata. C'était la préparation de la Pâque, et environ la sixième heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « Hôte, hôte, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Verset 16. Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue, « Jésus de Nazareth, roi des Juifs. » Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Verset 21. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit « Je suis roi des Juifs ». Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture, ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Verset 26. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple la prit chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Enfin, le moment crucial pour Christ, pour l'humanité et pour tout l'univers était arrivé. Il lutta contre les puissances des ténèbres. Lentement, il franchit les étapes. D'abord le jardin de Gethsémané, puis ses procès injustes et enfin la montagne du Calvaire. Les mauvais anges tentèrent de le vaincre, tandis que Jésus était pendu à la croix. Les chefs des prêtres, les scribes et les anciens se moquèrent de lui en disant, « Il en a sauvé d'autres. Il ne peut pas se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël. Qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Matthieu 27, verset 42. Christ aurait-il pu descendre de la croix et se sauver lui-même ? Oui, il le pouvait, mais il refusa de le faire. Son amour inconditionnel
exceptionnel pour toute l'humanité, y compris pour ses moqueurs, ne le permit pas d'abandonner. En fait, les moqueurs faisaient partie de ceux qu'il sauvait par sa mort. Et il ne pouvait pas descendre de la croix et se sauver lui-même, car il était retenu, non par les clous, mais par sa volonté de les sauver. Texte tiré du livre « An Exegetical Commentary on the Gospel According to Saint Matthew », un commentaire exégétique sur l'Évangile selon Saint Matthieu, écrit par Alfred Plummer. Ici, dans ses souffrances, Jésus était en train de vaincre le royaume de Satan, même si c'était pourtant ce dernier qui était l'instigateur des événements qui conduisirent à la croix, comme la trahison de Judas. Jean 6, verset 70, Jean 13, verset 2 et 27. D'une manière que l'évangéliste ne tente pas de décrire, la mort de Jésus est à la fois un acte de Satan et un acte par lequel Jésus remporte la victoire sur Satan. Extrait du livre Theology of the New Testament, une théologie du Nouveau Testament, écrit par George E. Ladd, page 192. En s'écriant sur la croix, tout est accompli, le Christ disait non seulement que son agonie était parvenue à son terme, mais surtout qu'il avait gagné la grande controverse historico-cosmique contre Satan et ses forces maléfiques. Le ciel tout entier s'associait au triomphe du Sauveur. Satan, vaincu, se rendait compte qu'il avait perdu son royaume. Texte tiré du livre Jésus-Christ, au chapitre 79, à la page 684. Livre écrit par Ellen G. White. Il est difficile de saisir le contraste saisissant présent ici. Dans son humiliation totale, le Fils de Dieu avait pourtant remporté pour nous et pour l'univers la plus grande et la plus glorieuse de toutes les victoires. Réfléchissez à combien le péché doit être horrible pour que son expiation ait nécessité la mort de Christ. Que devrait nous enseigner cette vérité sur combien nos œuvres sont inutiles pour gagner la faveur de Dieu? Après tout, que pouvons-nous ajouter à ce que Christ a déjà fait pour nous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.